n'y a pas de génération sans repère. Vous êtes pour nous des repères. Et ce soir, nous voulons vous honorer. Vous nous avez communiqué des valeurs. Et c'est ce soir que ces valeurs, nous voulons vous montrer qu'il y a une génération encore qui croit en vous. Il y a une génération encore qui porte ces valeurs et qui veut communiquer à la génération que nous portons. Vous nous avez bercé. Vous avez fait danser nos parents. Vous nous avez éduqués. Vos mélodies nous ont éduqués. Et nous voulons encore que ça continue dans notre génération, pour la génération future. Merci à vous pour votre présence. Que la fête soit belle, tout simplement. Profitons de ce moment. Ce que moi j'ai vu à Cotonou, au temps de ce gala, c'est que je prie Dieu qu'il nous prête la longévité pour que ça soit encore répété, que comme ça, pareil, soit encore organisé, pour qu'on puisse atterrir encore à Cotonou. Sinon, après Cotonou, vous pouvez organiser ça aussi encore au nord. Parce que ici, aujourd'hui, vraiment, je suis fier de ce qui s'est passé. Voilà, donc pour ça, je remercie la dame qui a initié cette rencontre. Nous remercions Dieu. Il faut que la prière soit avec vous, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi la dame. Je suis ému. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Puisque c'est comme si je n'existais plus dans le monde culturel. Et j'étais dans un sommeil peut-être profond et on est venu me réveiller. Puisque, sans vous mentir, nous avons souffert mes tiens, mes douleurs, mes filles. Mais on est passé comme des oubliés. Et une dame, une chère dame, du nom de Ariel, qui n'est pas une actrice qui a eu cette initiative. Vraiment, moi je le remercie. Et toutes mes prières pour elle, c'est qu'elle continue, que Dieu lui donne la force, que les mâles de nos ancêtres lui donnent la force de continuer et de le faire jusqu'au soir de sa vie. Et que la publication est éducative, ça. Les impressions sont très bonnes. Je félicite Mme Ariel pour ce travail. Je les remercie très sincèrement parce que je crois que c'est une très bonne chose. Très bonne chose de se souvenir de ces anciennes gloires et de faire ce qui est nécessaire. Non, ce n'est pas affaire d'argent, mais cet honneur est capital et ça fait plaisir. Et je suis ravi. Je me disais que j'ai encore le temps parce que je ne suis pas, c'est vrai, j'ai commencé il y a longtemps, mais j'ai encore le temps parce que je suis très content ce soir de voir mes alliés, Petit Damida, Elfigo, aussi et d'autres, Vincent Arrêté et nous également. Alors, il y a d'autres du cinéma, d'autres qui ne pas occupé par moi. Alors, ce sont des aînés que nous avons, des aînés qui nous ont bercés, ces aînés qui ont fait, ils nous ont apporté beaucoup de choses à la culture, beaucoup à la culture de l'Église, beaucoup à la culture de l'Église, et ils continuent de nous donner des leçons, même si ce n'est pas public, ils continuent de nous donner des leçons, de nous donner des conseils. Moi, je suis ravi. C'est vrai, je suis parmi les meilleurs. Je me dis qu'il faut encourager cette dame pour que ça puisse continuer. Donc, pour moi, le meilleur de sa vie, je souhaite une santé à toute l'équipe. Et je souhaite également que le Seigneur puisse donner des moyens. Parce que je sais qu'elle a besoin de moyens pour faire ça. Et il y a des enfants, des enfants, des enfants.
association qui vous souhaite l'assister dans l'association de la musique. Je prie que le Seigneur nous donne les moyens possibles, les moyens pour qu'elle puisse faire beaucoup plus pour c'est une soirée très belle que nous avons beaucoup apprécié. Ça permet de faire ressortir, de faire remarquer ces talents culturels qui ont marqué notre vie, notre quotidien. Et je crois que c'est une initiative à ça. Ce que j'ai à dire à l'endroit de la prophétesse, Madame Ariane, c'est d'abord tous vos félicitations et remerciements. Et en tant que autorité locale, en tant que maire, nous pensons que nous devons rester dans un partenariat avec Yandaya pour promouvoir la culture, ces artistes qui nous ont donné beaucoup de ressources. Nous savoir vivre parce que le même sang, c'est le grand plan de nouer cette relation avec cette couche qui se donne à la chose culturelle. Je parle en l'occurrence de Madame Ariel, la profiter de cette soirée, qui avec la municipalité peut rester en partenariat et peut dans les années à venir apporter encore une fois touche à cette organisation de taille.